Jean-Yves Le Drian, tout sourire, aux côtés de Saad Hariri, le marathon diplomatique a manifestement payé. Le premier ministre démissionnaire du Liban viendra en France. Il y rencontrera même le président Emmanuel Macron ce samedi, a annoncé l'Élysée. Un succès pour le ministre français des Affaires étrangères, même si la suite reste tout aussi incertaine, tant cette crise qui dure depuis une douzaine de jours a semé l'inquiétude au Liban, dans la région et dans les capitales occidentales. Le chef de la diplomatie saoudienne l'a lui assuré, Saad Hariri est libre de quitter le pays. Il a aussi saisi l'occasion de redire tout le bien qu'il pense du Hezbollah libanais, une organisation terroriste de première catégorie qui a, je cite, « pris le Liban en otage ». Riyad entend d'ailleurs consulter ses alliés sur les leviers à utiliser contre le mouvement chiite pro-iranien. Alors que l'Arabie Saoudite et l'Iran poursuivent leur guerre d'influence, le président libanais a pour sa part dit attendre un retour de son premier ministre au pays samedi au plus tard. S'il finit par rentrer, Saad Hariri sera appelé à confirmer sa démission.